Kate Middleton et le prince William ont publié vendredi un communiqué dans lequel ils dénoncent le harcèlement dont est victime leur fils de 2 ans, le prince George. Les incidents avec les paparazzi se seraient multipliés ces derniers mois. Kate Middleton et le prince William sont exaspérés. Loin de leur large sourire affiché lors de leurs sorties officielles, la duchesse et le duc de Cambridge en ont tout simplement marre d'être devenus la cible privilégiée des paparazzi depuis la naissance de George. Un phénomène dénoncé par le couple princier dans une lettre ouverte aux médias diffusée vendredi par Kensington Palace. Kate et William estiment que leur fils George, 2 ans, est devenu la cible numéro 1 et les techniques utilisées sont de plus en plus dangereuses pour obtenir un cliché exclusif du petit blondinet. Une ligne a été franchie, estime-t-il. Il faut dire que les paparazzi font preuve d'imagination pour parvenir à leur fin. Ils ont utilisé des enfants pour attirer l'attention de George lors d'une sortie au parc. Certains photographes se sont camouflés dans le sable pour immortaliser une sortie à la plage du petit garçon avec sa grand-mère sans parler du jeu du chat et à la souris lors des promenades au parc de George avec sa nounou. Ce ne sera pas toujours possible de distinguer une personne prenant des photos d'une autre mal intentionnée, s'exaspèrent les parents de l'un des héritiers de la couronne britannique. Comme ils le répètent depuis sa naissance, Kate et William veulent que leur progéniture vive le plus normalement possible malgré son appartenance à la famille royale. Idem pour sa petite sœur Charlotte, le prince George et la princesse Charlotte ne devraient pas grandir exclusivement derrière les portes des palais et des jardins fermés. Et pour freiner les ardeurs des paparazzi, le couple princier a déclaré qu'il ne fera aucun cadeau. Si des photos volées de leurs enfants sont publiées dans les médias, ils saisiront la justice pour obtenir réparation.